même, en fait, quelles que soient les difficultés que je suis en train de traverser, c'est le fait qu'il me rassure de sa présence. Ça, c'est ce qui me plaît le plus. Donc, à chaque fois que j'ai traversé une certaine difficulté, c'est là où il s'est le plus manifesté. Donc, il me rappelle à chaque fois. Donc, quand tu traversais cette difficulté, est-ce que je n'étais pas avec toi? Quand tu traversais cette difficulté, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Donc, ce n'est pas maintenant cette difficulté que tu es en train de traverser pendant ce temps-là que je vais te laisser. Donc, j'ai toujours été avec toi, je le serai toujours. Donc, ça c'est quelque chose que j'aime le plus, en fait, en Dieu, le fait qu'il soit vraiment toujours là et qu'il me rassure. Donc, voilà, c'est... l'assurance de sa présence avec moi, à mes côtés, dans tout ce que je traverse. Donc ça, c'est l'une des choses que j'apprécie, que j'aime, en fait, avec le Seigneur. Et dans le service, j'aime bien les moments d'adoration et de louange. Donc, passer du temps dans la louange et l'adoration. Enfin, ça, c'est mon kiff, quoi. Ça, c'est... voilà, donc c'est pour ça peut-être voilà, que je suis dans le département et tout. Et c'est chacun son truc, on va dire. Mais bon, moi, c'est vraiment le moment où je suis le plus... voilà quoi, je suis le plus à l'aise, où je m'épanouis spirituellement. Je peux passer des moments de qualité avec le Seigneur. Quand j'ai voilà, mon instrument avec mon instrument... je joue, bon, parce que voilà, dans ma famille, donc d'où je viens, on passait des moments de prière et on est une famille de musiciens, je veux dire. Donc du coup, les moments de prière étaient vraiment des moments joyeux, festifs et tout ça. C'était très intéressant. Mes frères et sœurs, chacun prenait un instrument et ça, c'est quelque chose que me marque à chaque fois. Et vous savez, les trucs qu'on traverse en enfance, c'est des trucs en général qui te marquent toute ta vie. Du coup, à chaque fois que je reprends d'un instrument et que je suis en train de jouer, je repense à tous ces moments-là que je passais dans mon enfance avec mes frères et sœurs, mes parents et tout ça. Et c'était juste des moments de joie, de paix qu'on n'arrivait pas à expliquer, malgré le fait que effectivement, comme toute famille, on avait nos difficultés, on traversait des moments difficiles. Souvent, c'était difficile de boucler les fins de mois. On était une famille nombreuse et tout. Mais on n'a jamais eu de problème, je veux dire, malgré les faibles moyens qu'on avait. On avait toujours ce qu'il fallait. On n'a jamais manqué de rien, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui me marque et me marquera toujours. Donc, cette joie et cette paix qui régnait dans la famille. Et c'est grâce à ces moments-là de prière, ces moments de culte en famille. Il y avait vraiment une très bonne ambiance à la maison, c'est-à-dire que on avait hâte de rentrer parce que... Ah là là, c'est fou quand j'y repense. J'aimerais vraiment revenir à cette période-là. Quand on était tous à la maison, c'était vraiment génial en général. Et moi, j'ai vraiment des frères et sœurs très... il y avait une très bonne ambiance. Il y en avait qui étaient très drôles, qui étaient comiques, ainsi de suite. Et chacun racontait sa journée. Et c'était une occasion d'en rire. On riait des choses assez négatives. On les transformait. Finalement, ça devenait quelque chose de rigolo. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dans la façon dont mes parents m'ont éduqué, en fait, dans la vie chrétienne en famille déjà. Du coup, je voudrais vraiment vivre cette vie avec ma famille, que ce soit vraiment, comment dire, c'est ça, la paix, en fait, c'est quelque chose qui vaut mieux que tout ce qu'on peut avoir dans le monde. On peut avoir toutes les richesses, ainsi de suite, on veut, mais s'il n'y a pas la paix, c'est
Je vous assure que ce n'est pas aussi bidon. C'est sûr que c'est mieux d'avoir la paix et la richesse. Ça, c'est mieux. Mais au-delà de tout, la joie et la paix, c'est quelque chose qui peuvent te faire oublier certaines difficultés que tu traverserais. Donc moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est sa présence vraiment qui me donne la paix et la joie. Donc quel que soit ce que je suis en train de traverser, j'ai cette paix et cette joie. Je suis zen. Voilà.